Daphne, are you the old mines yet? Et bonjour sur O80 Gaming. Donc nous allons tout de suite aller sur Old Mine. Donc nous allons donc à la suite pour l'aventure. Et c'est parti. Hop. Donc là on voit que quand on colle la grille, quand on l'ouvre, là je viens de passer à travers. Donc ça m'a fait gagner quelques secondes, hein. Donc ça c'est un petit truc vite fait quoi, pour gagner quelques secondes sur le jeu si vous êtes pressé par le temps, hein, comme on dit. Hop, voilà. Donc là bon, il y aura donc des méchants, hein, bien sûr. Donc on va s'en occuper. Qu'on puisse l'avoir bien dans le... Hop! Et voilà. Donc ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. À savoir que là, bon, il y a aussi donc un vieux clébard. Voilà. Ce vieux clébard, il est ici. Donc, nous allons essayer de nous approcher tranquillement. Donc, il faut que je mange aussi des baies, hein, parce que je suis... malheureusement... Voilà, donc là, le clébard, il m'a pas trop vu. Et je lui mets une balle dans la tête. Donc oui, donc comme je disais, j'avais pas donc j'ai pas ma gourde. Hein, donc j'ai tracé comme ça de soluce au soluce, de guide en guide, sans avoir donc récupéré donc cette fameuse gourde. Hein, donc c'est pour ça que je récupère des petits fruits rouges sur la route. Donc là, je fais gaffe à pas me faire voir. Donc ouais, il faut savoir que donc voilà, hein, hop. Donc on aura des méchants avec des arbalètes. Bon, après, si on arrive à donc pas se faire repérer, c'est largement donc gérable dans le sens où ils nous verront pas. Donc voilà, donc on a la route. Hein. Donc là, on va essayer de se faire donc les fous. Hein. Voilà. Bon, on n'est pas obligé donc de les abattre comme ça. Hein. Donc on n'est pas obligé. Hein. Là, c'est moi qui hop, veux justement leur faire un petit truc. Donc voilà, il y a un oiseau là qui est assez chiant. Donc là, qui veut essayer de vous embêter. Donc on va prendre son couteau. On va tailler la tronche du piaf. Hein. Comme ça, il sera fait. Il va venir sur vous. Voilà. Voilà, comme ça l'oiseau il vous embêtera plus, comme ça au moins. Alors donc là je tue tout le monde, dans le sens où j'ai vraiment envie d'être tranquille. Hein. Voilà. Donc pour la suite donc de l'aventure, hein, c'est ce qui est normal. Hein. On voudrait pas être embêté. Donc c'est parti. Donc là on a pareil, hein, toujours des fous. Hein. Donc là. Hop, bon, ce fou-là, je vais pas vraiment m'en occuper. Hein. Je vais juste prendre mon fruit. Voilà. On va pas tuer tout le monde non plus. C'est pas utile. Donc là, on voit donc si on manque d'eau, hein, le fruit rouge est une très bonne alternative donc à pouvoir s'hydrater. Hein. Donc voilà. Là, on voit, ouais, ils râlent, ils gueulent, ouais, ils sont pas contents. Donc là, ils veulent me faire la peau, hein. Ils peuvent toujours venir s'ils veulent. Allez. Allez, tu me saoules. Voilà. J'avais prévenu, je voulais pas qu'on m'embête. Hein, donc, quand on veut pas se faire embêter, voilà. Tant pis pour lui, il avait qu'à être sage. Donc c'est donc on va aller, hop! Et on vient de se claquer la tronche. Bon, il n'y a pas, c'est pas bien grave, hein. On peut remonter par en haut. Ce n'est pas très grave. Alors, par cette maison, on peut rentrer. Hop.
Bon là, je me suis un peu explosé, hein, excusez-moi. J'ai voulu donc enchaîner trop vite le truc, hein, mais bon. Ah, on n'est pas au point. Hein. J'ai loupé mon saut. Ce qui est un peu embêtant, mais c'est pas très grave. Hein. On a assez de vie pour pouvoir tenir le coup. Ça arrive hein, de s'exploser la tronche. Alors j'ai voulu le faire directement, mais là on va prendre la route la plus longue, hein, malheureusement. J'ai pas envie de toujours m'exploser la tête. Voilà, donc bon, ça fera rire. Donc voilà, un petit peu, hein, voilà. Même si on connaît donc un peu le jeu là. Je m'étais un peu foiré, hein, entre guillemets, donc là, c'est pas bien grave. C'est pas très grave. Du moment qu'on a la route, qu'on s'amuse, et puis que je vous ramène donc là où vous avez besoin que je vous ramène. Donc là, ne faites pas comme moi, hein, ne vous explosez pas la tronche inutilement, ça ne sert à rien. Et là, je viens de refaire le même problème. Décidément, je sais pas ce que je fous là. Voilà, je sais pas là, je sais pas ce que je fais. Bon, fort heureusement, si vous on tombe, hop, on peut remonter par là. Donc ça peut éviter donc les problèmes. Hein. Donc bah au moins là, ça vous permet de voir ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc là, je vais voir si je peux pas crafter donc un petit peu de. Hop, un petit peu de truc pour la vie. Hop, c'est parti. Bon bah voilà, donc on voit et j'ai donc j'enregistre donc mes vidéos donc sans trucage, sans machin. Donc ça faisait un petit moment donc que j'avais pas donc repris la manette sur des Young, donc je me rappelais pas bien donc des sauts qui demandaient un peu plus de précision que ça. Donc c'est dommage, hein, voilà. Donc c'est pas bien grave, hein. Hop, voilà. En soi. Hop, là. Ici, donc. Hop, donc après, donc il y a ça. Donc on est arrivé par ici. Et là, on doit aller par là. Donc on continue. Hop, voilà. Un peu d'eau, ça fera du bien. Voilà. Bon, au moins ça va me permettre de pouvoir poser donc un peu le jeu, hein, voilà. Donc bien sûr, hein, donc on va se régénérer aussi. Voilà. Hop. Donc ça faisait un petit moment donc que j'avais pas donc fait donc le jeu, hein, voilà. Donc là, on va faire une sauvegarde pour ici, au cas où si je meurs. Hein, au cas où, hein, ce serait bête, mais bon. Et ici, donc, nous allons donc faire tomber ce chariot pour la suite. Voilà, c'est parti. On va essayer de pas se foirer. Allez, c'est parti. Hop, et c'est parti. C'est bon, c'est dans la boîte. Alors maintenant, donc, on continue. Hop, voilà. Donc on va donc sur donc la soluce. Donc ici, hop, on a donc le TP, hein, voilà, le petit TP. Bien sûr, donc là, hop, on peut récupérer donc des vivres ou des trucs comme ça. Moi, je vais récupérer un peu de voilà, de trucs qui me permettra donc de faire ma vidéo. Hop, voilà. Et ici, donc il va falloir donc courir et sauter sans se claquer. Hop, voilà, c'est fait. Bon, je vais garder mon arbalète au cas où, mais c'est pas la peine. Hein. Bon, on peut passer la zone tranquillement. Donc en restant donc accroupi, on n'a pas besoin de courir comme un fou, quoi.
Donc là, on va entendre les fous, ils vont discuter tout seuls, ils sont en mode j'ai taré, c'est pas bien grave, voilà. Donc on va passer donc de maison en maison, hein, sans s'emmerder. Il n'y a que lui qu'on va peut-être tuer, voilà. Les autres donc seront pas forcément donc utiles, hein, donc pour la suite de l'aventure. Hein, donc voilà, c'est bon, on les a fait, c'est fait. This must be the squeaky Alors sound ici, engine il y a he was moyen donc de pouvoir. Donc il fallait faire ça. Donc je pense qu'il fallait donc sauter par-dessus pour pouvoir descendre tranquillement. Voilà. Et comme ça vous permettra donc de redescendre plus facilement. Donc ici, nous allons donc voir donc André. Hein. Voilà. Donc on va manger un petit coup. Voilà. André, ouvre-nous. André, are you here? Voilà. Daphne, God, Et it's donc so good to André, il see vous you. blablate un tas de André! trucs. Vous prenez le masque à gaz. Bon, salut André, hein. À la prochaine. Donc voilà, donc André, c'est fait. Donc on a le masque à gaz. Le masque à gaz, donc ça va être important. Donc pourquoi j'ai allumé donc le TP? C'est parce que tout simplement, je vais utiliser le TP. Logiquement que j'ai activé dans la Military Base. Voilà. Comme ça me permettra donc de gagner du temps. Donc c'est parti, hein. Donc on va essayer de gagner un maximum de temps. Hop, c'est parti. Touc. TP. Allez, allez, hop. Couille-toi. Voilà. Donc ça, hop, fast travel. Et voilà. C'est parti. Donc là, on est parti donc pour le military post ou le military base comme je l'appelle, hein, voilà, base militaire. On l'appelle comme on veut, hein, voilà. C'est à vous de voir comment vous allez l'appeler dans le jeu. Voilà. Moi, j'ai tendance des fois donc à donner des petits noms par-ci par-là, mais j'essaie toujours aussi donc de donner donc le nom anglais qui est Military Post. Voilà. Par contre, bon, les temps de chargement, donc voilà, hein, comme je disais, ça prenait quoi, les entre 10 et 20 secondes. Hein, donc là, donc on a le temps de parler. Donc là, ça a été relativement vite quand même. Hein, donc c'est parti. Donc vu que donc dans ma dernière vidéo on avait vidé donc la base, hein, donc là ça va être beaucoup plus simple pour faire ce qu'on a à faire, hein. C'est pour ça que j'avais donc fait la vidéo pour vider toute la base, parce que c'est important. Là voilà, donc on est là, on est tranquille, il n'y a plus personne, on est au calme. Comme ça, il n'y a pas de souci à avoir, il n'y a pas d'embrouille en fait. Bon, sauf si elle est décidée donc à faire du brin. Voilà. Donc là, on va redescendre le plus vite possible. Poum, donc là, je vais au camp militaire. Donc c'est parti. Donc le camp militaire, donc le masque à gaz, on en avait besoin pour aller voir donc le prisonnier qui n'est d'autre que Ibrahim. C'est parti. Donc là, elle sprint. Là, je la tue à la tâche. Hein. Bon, là, j'aurais dû. Tiens, un rescapé. Bon, il y a un rescapé. Ça fait bien rire. On a un petit rescapé. Alors, j'avais pas prévu. Mais heureusement que j'avais prévu de la bouffe. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont remis donc ce genre de truc. Hein. Mais là, ça me fait bien rire. Hein. Là, ça me fait bien rire. Donc, n'oubliez pas de crocheter donc ça. Hein. Donc voilà, que nous avions oublié. Voilà.
Ça fait toujours bien rire. Les petits oublis. Voilà. Donc là maintenant, on a le masque à gaz. On est prêt à descendre dans la bouche d'égout. Hop, voilà. Donc là, c'est pas très haut. Allez, saute. Voilà. Hop, c'est parti. On ouvre par ici. Donc ici, on a pareil, hein, de la camelote. Hop. Ici, touc. Voilà, elle me fait rire. Hop. Hop. Ah ouais, et ici, donc, ici, c'est bloqué. Parce qu'en fait, alors, que je devais passer par, je sais quoi, on doit passer par là. Hop, c'est parti. Donc pareil, hein, moi j'ai le briquet, ça me permet de voir. De toute façon, une fois qu'on a le briquet, généralement, bon, la torche n'est plus très utile. Donc là, hop. Hop, on va monter par là. On va débloquer donc cette porte-là, bien sûr. Hein, voilà. Donc ça c'est fait. Et ici, il y a donc la scrap. Donc on regarde bien ici. Hop. Bon alors après ici, on craint plus rien. Hein. On peut enlever le masque, mais moi je le garde. Hein, voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà, il faut lui parler. Donc là, on va lui poser toutes les questions possibles et inimaginables. Hein. Donc pareil, hein, je vous dis donc de tout simplement de parler, donc de faire tous les dialogues. Comme ça, on est sûr. Voilà. Voilà. On lui parle. Hein, voilà. Et ici, alors, pour résumer, donc là, on va retourner en arrière. Sachant qu'on ne peut pas ouvrir cette porte-là. Hein. Cette porte-là, elle est fermée. J'ai jamais réussi à l'ouvrir. Donc on est obligé de retourner par là. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas ouvert une porte qui était plus rapide. Ouais. Ça va être plus rapide par là, excusez-moi. Hop, voilà. On s'embrouille un peu. Voilà, on enjambe. Ça ira beaucoup plus vite. Hein. Voilà, ça ira beaucoup plus vite. Hop. Donc oui, ça fait un petit moment que donc j'avais pas rejoué sur des Young. Donc ça se voit. Hein. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Bon, je vais garder mon arbalète au cas où s'il y aurait un qui serait resté. Alors, je sais pas pourquoi j'avais donc oublié donc un garde, hein, mais bon, ça peut arriver. Donc ici, comme j'avais déjà tout ouvert, donc ici, Ibrahim nous a dit qu'il faut récupérer donc ça. Voilà. Et on récupère le dossier. Puis on retourne dans les égouts. Donc pour l'instant, c'est pas compliqué. Voilà. Rien de bien méchant, hein. C'est pour ça que je disais que je gardais le masque à gaz qui me permettait comme ça donc d'aller plus vite. Voilà, donc ça va relativement vite. Hein. Hop. Surtout que maintenant on a ouvert donc la porte qui nous permet d'aller plus vite. Hop. Voilà, donc on peut sauter directement hop comme ça. On saute directement comme ça. Allez. Bon. Le jeu, il me fait la misère, mais c'est pas grave. On fait des petits trucs rigolos. C'est cool. Hop. Et là, on va lui donner ce qu'il avait besoin. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Donc là, il faut retourner donc à la radio maintenant. Hop, voilà. Donc on retourne à la radio. Donc à la fréquence qu'il nous a demandé. Voilà,
tout simplement. Allez, grouille-toi. Ah, mais quel potiche. Donc la vidéo, donc elle est donc plus longue que ce que je faisais d'habitude, hein, mais là c'est des gros morceaux, hein, tout simplement. Donc j'essaye de faire le plus vite possible, hein, voilà. Là c'est vraiment les deux grosses parties où il faut faire des allers-retours, où il faut pas mal bouger. Donc là je vais pas passer par là parce que ça va servir à rien. Je vais repasser de l'autre côté. Hop, voilà, on va passer par là. On va remonter par où on était passé la dernière fois. Donc là, on voit que je speed à mort, hein. Voilà. Et que là, donc, on a moyen de retourner. Donc là-haut. Donc on est, c'est près de la niche, hein. Hop, ce passage. Voilà, la niche des chiens. C'est pour ça que justement je disais qu'il fallait bien ouvrir donc le portail ici avant de donc pouvoir continuer. Donc là maintenant on va à la radio. Donc là on voit que je suis toujours donc à fond, hein. Je cours tout le temps. On y va de bon cœur. J'étais même tellement de bon cœur que j'étais tout droit alors que j'oubliais de monter plus haut. Voilà, donc on veut aller vite 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 et puis on fait des petites erreurs. Bon, c'est pas bien grave. C'est ça, déserter le jeu pendant un petit moment, hein. Et donc c'est pour ça que moi j'ai décidé donc de faire ces vidéos donc pour éviter que vous soyez donc perdus, hein. Donc parce qu'on peut s'y perdre pas mal, voilà. Et ici donc hop, voilà voilà donc là pareil on reparle, hein. Donc c'est là, voilà, Mystery Man, voilà. Donc c'était le 140-48, hein. Donc voilà, et voilà, il parle plus. André, il parle plus non plus. Voilà. On lui demande s'il veut plus parler. Ok, bon, voilà. C'est terminé. Il veut plus. André? Ils veulent. Voilà. Et là où André? Hello? Bon, ben voilà. Voilà. Et là, donc, ils veulent plus It's done. parler. I just need to keep calm. Wait for tomorrow, and everything's gonna be all right. Et si, donc, alors voyons voir ce qu'il nous reste à Please faire. forgive me. Forgive me. I had to do it. I wanna leave. Hop, donc, Brother number one, wasn't that what you wanted? nous allons Wasn't that donc what you asked to arrêter leave? notre You were vidéo afraid à to un hunt. point précis. Donc je dis You need bien to donc answer à un me. point précis. I did it. Can't you see me? I did it. Donc là, tout simplement, on arrive sur la fin du jeu. Alors c'est pour ça que je dis que je vais arrêter à un point donné de la vidéo, hein. C'est parce qu'en fait, on va avoir besoin de ça pour la suite. Donc là, on va faire notre quick save ici. Hop, voilà. Et donc j'espère que vous avez apprécié donc cette première donc partie pour donc la fin donc sur les Young. La deuxième partie sera donc beaucoup plus courte. Donc il y aura donc deux vidéos donc oui, il y aura deux vidéos donc plus courtes. Donc pour la bonne fin et donc pour la mauvaise fin. Donc à plus les gamers et puis je vous dis à la prochaine.